Début des obsèques d'Abdoulaye Rodian Dombassi, la levée du corps est intervenue ce jeudi à Kinshasa pour exposition de quelques heures au siège du PPRD avant le Palais du Peuple. Le secrétaire permanent de ce parti a salué la bravoure idéologique et politique de l'illustre disparu. À la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale chargée d'élaborer le projet du règlement intérieur a apporté des explications sur les travaux clôturés mardi. C'était devant la conférence des présidents tenue ce jeudi, dirigée par le président du bureau provisoire de cette Chambre. Insécurité au Nord Kivu, les députés provinciaux nouvellement élus haussent le ton. Dans une déclaration rendue publique aujourd'hui à Goma, ils demandent aux autorités impliquées dans la chaîne de sécurité de prendre des mesures idoines pour restaurer la sécurité dans cette province. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. C'est ce jeudi qu'ont débuté les obsèques d'Abdoulaye Rodian Dombassi. Le corps sans vie de l'ancien compagnon de Mzé Laurent Désiré Kabila a été exposé pour quelques heures après la levée au siège du PPRD avant l'étape du Palais du Peuple. Devant les hauts cadres et militants, le secrétaire permanent de ce parti a salué la bravoure idéologique et politique de l'illustre disparu. Regardez. Très lointaine que j'ignore encore. Le patriarche Yéro Diabdoulaye Ndombassi a bel et bien achevé sa course terrestre. Je dois partir dans ce contrée lointaine que j'ignore encore. Son épouse, ses enfants, sa famille biologique et politique, ses amis et connaissances sont inconsolables à la sortie de la dépouille mortelle de la mort de l'hôpital du cinquantenaire ce jeudi 28 février. Première étape, le ministère des Affaires étrangères où Yéro Diabdoulaye Ndombassi a exercé les fonctions des ministres d'État. Deuxième étape, le siège national du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, où des hommages mérités sont rendus aux fidèles compagnons de Mzé Laurent Désiré Kabila. Point levé, larmes aux yeux, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a salué la bravoure idéologique et politique de Mbutaye Rodia. C'est lui qui s'en va aujourd'hui dans l'au-delà. Il est de ceux qui nous ont transmis les idéaux des pères de l'indépendance. Il est également de ceux qui nous ont enseigné l'idéologie de nationalisme et la libération des opprimés. Il a travaillé avec son ami Mzé Laurent Désiré Kabila. Il a accompagné le raïs Joseph Kabila Kabangé dans la création du PPRD et dans la direction de ce pays. Hérodia fut le premier à s'installer en ces lieux où nous sommes réunis à présent pour honorer sa mémoire et saluer son action dans l'édification d'un Congo libre dans la dignité. Philosophe et psychanalyste, le sénateur Yéro Diabdoulaye Ndombassi a été directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Né le 5 janvier 1933, Yéro Di a également été ministre de l'Éducation nationale sous Kabila père. Au terme des accords de Sun City, Yéro Diabdoulaye Ndombassi fut désigné comme l'un de 4 vice-présidents de la République, fonction qu'il exercera entre 2003 et 2006. La veillée mortuaire est organisée au Palais du Peuple où des hommages officiels lui seront rendus le vendredi 1er mars avant l'inhumation au cimetière de Mbentseke Nouvelle Cité. L'émotion a été grande au siège du PPRD. Les camarades de Yéro Diabdoulaye Ndombassi retiennent de lui un vaillant nationaliste. On les écoute. Le respect des convictions. C'est quelqu'un qui croyait dans l'homme congolais. Et c'était un grand ami
au président actuel de la Guinée. J'ai eu l'honneur d'aller le chercher avant qu'il soit chef d'État et je l'ai amené chez le vice-président Hérode à l'époque. C'est là qu'ils m'ont parlé de leur passé d'étudiants africains de France. Moi, je sais que c'est le sénateur, le patriarche Hérodia qui m'avait amené à la tête du parti. Ça, c'est un grand souvenir. Et j'ai appris beaucoup de choses à partir de là. Et j'ai essayé de comprendre quel genre de combattant, de militant il était. J'ai compris que c'était un combattant, un militant, quelqu'un qui aimait son pays, qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour son pays. Tout a été dit ici, c'est un grand que nous perdons. Le peuple perdait perd un grand et voilà pourquoi nous avons rendu un grand hommage à la hauteur de ce qu'il représente pour nous. Un compagnon de Moussée, Laurent Désiré Kabila, qui nous quitte. Et donc, notre peine est grande. Mais nous gardons un grand héritage des enseignements qu'il nous a légués. À la Chambre basse du Parlement, on parle de la conférence des présidents tenue ce jeudi. Un seul point a été à l'ordre du jour, les éléments d'explication de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette conférence a été présidée par Pierre Maloka Makonji, président du bureau provisoire de cette chambre, à laquelle ont pris part les 26 doyens d'âge des élus nationaux de 26 provinces. Il était question pour cette commission spéciale, conduite par son deuxième vice-président, Geneviève Inagossi, de donner les grandes lignes de ses délibérations et les innovations contenues dans le projet qu'elle a produit. Les articulations de ses travaux défendus par les membres du bureau de la commission spéciale, chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, feront l'objet principal du débat en plénière prévu la semaine prochaine pour adoption finale de ce cadre réglementaire des travaux parlementaires durant toute la troisième législature de la Troisième République. Rappelons que le règlement intérieur est la deuxième et avant-dernière étape de la tâche du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Après adoption, il doit être envoyé à la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution, avant l'organisation de l'élection du bureau définitif, dernière mission du bureau provisoire. Après la dernière sortie médiatique de la plateforme Ensemble pour le changement, reconnaissant la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection du 30 décembre dernier et se positionnant comme première force de l'opposition républicaine en RDC, des voix discordantes s'élèvent. Les unes émettent le vœu de travailler avec le président de la République alors que les autres ne veulent pas participer au gouvernement et attendent mener leur lutte, dont l'opposition républicaine. Ce qui paraissait déjà vraisemblable commence à se confirmer peu à peu au sein d'ensemble plateforme de Moïse Katumbi-Tchapwe où des divergences de vues se font de plus en plus remarquées, surtout après la sortie médiatique de Pierre Lumbi qui a déclaré que la vérité des urnes devrait laisser place à la poursuite de l'instauration de l'état de droit. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi va faire pour que, en 2023, ce qui s'est passé en 2006, 2011 et 2018 ne puisse plus se reproduire? Ça, c'est le combat que nous devons mener, et au niveau de l'opposition. Cette sortie médiatique a été vite recadrée par le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi-Tchapwe, Francis Kalombo, qui a affirmé que son patron est toujours dans la mouka et que les déclarations de Pierre Lumbi n'engagent que lui-même. Aujourd'hui, ce n'est pas avec un communiqué que Moïse Katumbi va dire « voilà, je déchire, je quitte ». Non, je crois que ici, je ne suis pas là pour commenter ce qu'a dit Pierre Lumbi ni refuter. Je tiens simplement à vous dire que je suis le porte-parole de Moïse Katumbi et que jusque-là, Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé. En revanche, le doyen Kyungwa Kumwanza est venu enfoncer les clous pour dire qu'il ne s'opposera pas au président Félix Antoine Tshisekedi et qu'il ne sera jamais sur aucune liste des opposants. Il faut faire la part des choses. Il y a opposition et il y a combat.
Moi qui vous parle, qui vous recommande, je ne suis pas dans l'opposition vis-à-vis du pouvoir actuel. Donc je suis dans le combat sur des grands principes, par exemple du droit de l'homme, de justice, de paix. Ça, c'est le combat que je mène. Mais je ne peux pas combattre le pouvoir en place. Je me retrouve dans ce pouvoir-là. Voilà, c'est très clair. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un et accepter qu'il soit là et que je le reconnaisse pour vous dire après non, c'est pour que je le combatte. Moi, qui on va commencer. La question qui intéresse plusieurs observateurs, à laquelle une réponse devrait être apportée le plus rapidement possible, est celle de savoir qui entretient le flou artistique au sein de la plateforme Ensemble pour le changement, qui revendique déjà la première place politique de l'opposition congolaise avec ses 66 députés nationaux et 97 députés provinciaux. Si des contradictions perdurent, il y aurait forcément des frustrations, ce qui pourrait créer l'implosion de cette plateforme. Face à cette situation, la position de Moïse Katumbi-Tchapwe s'avère importante pour fixer l'opinion nationale et internationale. Insécurité dans la province du Nord Kivu, les députés provinciaux nouvellement élus haussent le ton. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, à Goma, ils demandent aux autorités impliquées dans la chaîne de sécurité de prendre des mesures idoines en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans cette province. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration lue par Prince Kiagui, député provincial élu du territoire de Walikale. Élus provinciaux du Nord Kivu sont profondément préoccupés par la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu, caractérisée par des atrocités, abus et multiples violations des droits humains, ainsi que divers actes de barbarie dont sont victimes les populations des territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale, ainsi que celles des villes de Beni, de Butembo et de Goma en province du Nord Kivu. Cette tragédie se caractérise notamment par la présence et l'activisme des groupes armés, une collaboration vraisemblable et la cohabitation de certains éléments des FRDC avec certains groupes armés. Les opérations militaires des FRDC avec des effets collatéraux sur les populations civiles. Les incursions et tueries répétitives perpétrés par des présumés ADF Nalu à Beni. Les tracasseries administratives, militaires et policières caractérisées par la persistance de multiples barrières illégales, la recrudescence des kidnappings et ou des prises d'otages avec des proportions de plus en plus inquiétantes, vraisemblablement facilitées par des sociétés de télécommunications, de meurtres et assassinats, les pillages de bétail et autres biens de la population. Tout en saluant les efforts fournis, condamnons fermement tous ces actes intolérables et inadmissibles. Et par conséquent, interpellons les autorités impliquées dans la chaîne de sécurité à prendre les mesures idoines en vue de l'amélioration des conditions sécuritaires dans la province du Nord Kivu. Entre-temps, le ministre national de la Santé publique est arrivé en ville de Butembo ce jeudi, au lendemain de l'attaque du deuxième centre de traitement Ebola. En l'espace de 48 heures dans cette ville, l'une d'elles a coûté la vie à un policier et causé d'importants dégâts matériels. Des agissements condamnés par le ministre de la Santé, Oli Ilunga, qui rappelle que le plan stratégique mis en place par le gouvernement et ses partenaires pour éradiquer Ebola dans la région ne peut aboutir qu'avec l'engagement de toute la communauté. La dernière attaque armée a visé le 7e de la zone de santé de Butembo mercredi en début de soirée. Les assaillants identifiés aux miliciens Mai Mai par l'autorité urbaine étaient armés de fusils et d'armes blanches. Ils ont tué un policier avant d'incendier le 7e en partie, entraînant ainsi d'importants dégâts matériels, dont des motos parties en fumée. Deux centres de traitement Ebola attaqués et incendiés dans un espace de 48 heures. Le ministre de la Santé s'en inquiète.
Quel état des lieux, vous l'avez constaté vous-même, et vous devez faire votre travail pour reporter ce que vous avez vu. Il appartient d'abord à la population bénéficiaire des services de la riposte de protéger les équipes de la riposte. Je crois qu'il appartient à la communauté de s'engager et de protéger la riposte. Nous, on prendra toutes les dispositions pour continuer à soigner la population, à soigner les patients. Donc ça, c'est le message le plus important. Je crois que vous devez aussi comprendre qu'il y a des personnes qui sont ici depuis le mois d'août, qui n'ont pas vu leur famille depuis plus de 6 mois, qui se réveillent tous les matins pour aller faire de la sensibilisation. Je crois qu'il est quand même regrettable qu'ils soient la cible d'attaques comme ils le sont aujourd'hui. Docteur Oli Ilunga lance un appel à la prise de conscience de toute la communauté face à la très dangereuse maladie à virus Ebola. Il appartient d'abord à la population bénéficiaire des services de la riposte de protéger les équipes de la riposte. Pour l'instant, le ministre ne confirme pas une éventuelle évacuation des agents des MSF qui gèrent les CTE dans la région, mais ne donne pas non plus des précisions sur la réhabilitation des centres détruits. Avant l'attaque, le CTE de la zone de santé de Boutembo, situé à l'ouest, à moins d'un kilomètre du centre-ville, prenait en charge 12 cas confirmés, dont 8 retrouvés tard dans la soirée de ce même mercredi après l'attaque. Deux autres ont été retrouvés très fatigués le matin de ce jeudi, non loin du CTE, et les deux restants manquent encore à l'appel. Concernant les suspects, sur les 36 cas qui étaient en observation, seuls 6 sont revenus. Et puis les familles des enfants et épouses des militaires ainsi que celles de la police nationale plaident pour l'amélioration des conditions sociales des militaires et policiers dévoués au service de la nation. À travers un mémorandum, ils implorent le président de la République de revoir les statuts de leurs époux et parents, militaires et policiers, dans l'exécution de leur métier qui les appelle jusqu'au sacrifice suprême. Et toutes, unies comme une seule personne, les familles des enfants et épouses des militaires et policiers se sont réveillées. Dans un respect lisible à leur visage, elles ont déposé un mémorandum au cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi. Synthétisé en 12 articles, les femmes plaident au commandant suprême de porter un regard particulier sur ceux qui se sont dévoués au service de la nation jusqu'au sacrifice suprême. À la bienveillante et particulière attention de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. L'obtention du statut particulier de famille de militaires et policiers, au vu de la nécessité du métier de nos époux ou parents, qui les appelle au sacrifice suprême. D'améliorer la prise en charge de veuves, de militaires et de policiers, en leur assurant des indemnités et ou allocations qui leur permettent de vivre décemment. De réhabiliter et construire de nouvelles maisons pour répondre à la croissance de familles de militaires et policiers, car devenus vétustes. Les enfants, épouses des militaires et policiers, ont aussi demandé l'érection des sites mémoriaux en souvenir des hauts faits de ceux qui sont tombés aux différents champs d'honneur. Garantir la réduction des 50% de frais académiques et scolaires des enfants de militaires et policiers dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La réhabilitation des cantines populaires dans les camps militaires et de policiers. La prise en charge rapide des funérailles des hommes en uniforme. Les mesures urgentes portant des droits reconnus aux militaires et aux policiers n'ont pas été oubliées pour que les nouveaux chefs de l'État et commandants suprêmes en fassent sa priorité des priorités. Le mois de mars, c'est dans quelques heures, en prévision des préparatifs consacrés à ce mois dédié à la femme, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, a reçu les femmes de l'Espace 50 au menu de leur échange, l'organisation des différentes manifestations des femmes pendant ce mois pour redorer l'image de la femme congolaise. Dans le cadre du mois consacré à la femme, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangé Witanene, a reçu en audience les femmes de l'Espace 50 en préparation de ce mois important. Au menu de leur audience, comment gérer cette trentaine de jours de façon significative et sociale? Les femmes de Télé 50 organisent chaque année des activités liées au mois de la femme, c'est-à-dire en rapport avec les plus démunis. On se dit non, en tant que femme de médias, on doit soutenir les plus démunis et le mois de mars est approprié. Et pour ce faire, nous avons l'habitude de partager ce moment non seulement entre nous les femmes de Télé 50, mais aussi avec certaines personnalités de ce pays. Le ministre Kokonyangi a commencé par féliciter et remercier ces jeunes femmes de talent qui n'ont ménagé aucun effort avant, pendant et après les élections pour les soutenir sans condition.
Pour Joseph Kokonyangi, l'espace 50 lui a fait beaucoup d'honneur et il a rendu beaucoup de gratitude à son patron Jean-Marie Kasamba. Joseph Kokonyangi a réitéré sa confiance à cette chaîne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo avant de remettre un lot important d'épargne aux journalistes pour la visibilité du mois de mars. Il a également promis de soutenir ses professionnels des médias pour l'achat de quelques vivres à distribuer aux enfants orphelins à travers sa femme Rosine Kokonyangi qui a toujours fait de même en territoire des Pangui. Le ministre Kokonyangi nous a reçus pour également porter son apport en rapport avec les activités liées au mois de la femme qu'organise chaque année les dames de Télé 50. C'était un entretien purement femme. On a parlé, il a également donné son point de vue par rapport à Télé 50, l'espace 50, également le rôle que joue la femme à travers ce média panafricain. Juste après, le ministre Kokonyangi Witanene a échangé avec ses collaborateurs experts du ministère concernant les dossiers portant sur des primes et non paiement des frais de fonctionnement par les trésors publics. Les réformes entamées à la Caisse nationale de sécurité sociale sont-elles conformes aux exigences du CPA? Cette problématique était au centre d'une séance de travail entre la direction générale de la CNSS et une délégation du Congo-Brazzaville. Occasion pour la directrice générale de la CNSS, Agnès Moadre, de brosser les différentes innovations contenues dans la loi fixant les règles générales du régime général de sécurité sociale, tout en certifiant que l'ouverture des champs d'application est une réponse aux exigences du CPIA. Quatrième niveau de l'immeuble de la Caisse nationale de sécurité sociale. Une forte délégation brazzavilloise conduite par le directeur de cabinet du ministre Duplomb vient s'enquérir des réformes dans le cadre du régime général de sécurité sociale en RDC. En présence, Agnès Moadnawej, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro 1 de la CNSS, a brossé davantage les faiblesses de la loi de 1961 ayant conduit à la promulgation de la nouvelle loi sur le régime général de sécurité sociale. Une loi qui apporte plusieurs innovations dans toutes les branches. Dans la réalité, la CNSS a pour deux raisons de facilitation mise en place une plateforme interactive de télédéclaration. Qu'à travers cette plateforme, l'employeur peut nous donner tous les renseignements par rapport aux assurés, aux travailleurs. Donc cela veut dire qu'il suffit d'être dans votre bureau, vous cliquez, nous vous donnons le mot de passe et vous entrez pour que vous puissiez remplir votre feuille de paye. Parce qu'au niveau de la CNSS, maintenant, c'est la gestion des comptes courants individuels. Pour le directeur de cabinet du ministre de Plomb Brazzavillois, les innovations contenues dans cette nouvelle loi constituent déjà un pas dans l'amélioration des prestations sociales. D'où il faut capitaliser des bonnes pratiques. La CNSS vient de nous faire honneur de mettre en place cette réforme à travers la nouvelle loi. Et c'est bien cette loi que nous allons prouver comme preuve matérielle d'implémentation de la réforme. La CNSS, comprise alors comme un domaine de l'inclusion sociale et de l'équité, cette déclaration vient dans le cadre du projet CPA de la Banque mondiale qui cote le pays par rapport aux réformes amorcées dans le but de faciliter le climat des affaires. Dans cette réforme, la CNSS a non seulement déplafonné l'assiette de recettes sociales, mais aussi élargir les avantages, tels le droit de rachat de la carrière pour tout assuré âgé de 60 ans, l'allongement à 60 jours de la déclaration de l'accident du travail, ainsi que les taux de substitution qui est désormais fixé entre 40 et 60% de la rémunération mensuelle moyenne des 5 dernières années. Comment aider la RDC à mettre en place une bonne politique de développement qui tient compte de l'évolution démographique de la population? Voilà qui résume l'intervention d'El Bienvenu Mopulunga, patron de Brigada Group Technologie, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi à Kinshasa. Il a proposé aux dirigeants congolais son système intégré multisectoriel permanent, fondement dans lequel on peut puiser, dit-il, les informations en temps réel. La croissance démographique, loin d'être une opportunité en termes de main-d'œuvre abondante, constitue un obstacle majeur pour le développement social. Dans sa posture d'État actuellement décentralisé, la République démocratique du Congo
ne possède aucune donnée statistique exacte sur la densité de ses ressourcés, suite au manque du recensement de la population. Conscient de cette pénurie, elle bienvenue Mopolunga Ikaka, patron des Bigradap Group Technologies, pense qu'il est grand temps d'aborder la gestion d'enregistrement de la population à l'état civil sous l'approche des bases des données. Si on avait signe, ça pouvait être fait automatiquement. On pouvait avoir des recensements en temps réel, des statistiques en temps réel. C'est-à-dire tout ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les naissances, les décès, le profil individuel en temps réel. Simple, c'est un outil qui permet au pays, quand c'est implanté, de permettre de contrôler, de planifier, ainsi de suite. Donc avoir tous les atouts au contrôle. Spécialisé dans les solutions et services de base de données sur l'éthique dans toute l'Afrique, Bigradap Group, avec son système SIMP, permettra à la RDC de créer et gérer les cycles des vies et les profits de l'entité enregistrée. SIMP, c'est une plateforme qui regorge toute la technologie, qui regroupe toutes les institutions. SIMP permet au pays de faire en sorte que toutes ces institutions-là se parlent. Quel que soit le système qu'ils utilisent, qui se parlent entre eux, et SIMP met l'individu en valeur d'une manière horizontale et verticale. Allez, on passe au sport préliminaire de la Coupe du Congo de football, 55e édition. La Ligue de football de Kinshasa a procédé aujourd'hui au tirage au sort des combinaisons des clubs ayant pris l'inscription à cette étape de la compétition. En ouverture, le 5 mars prochain, trois rencontres sont au programme, notamment l'opposition Saint-Étienne Téléma de Barumbo. Les préliminaires de la Coupe du Congo de football 55e édition dressent un tableau de 5 confrontations au premier tour. Et c'est ce qui ressort du tirage au sort effectué ce jeudi par les comités exécutifs de la Ligue de football de Kinshasa. Ces préliminaires, dont le démarrage est annoncé pour le 5 mars prochain, va se disputer entre 10 clubs de la capitale Kinshasa, en provenance de l'EPFKIN et des 5 ententes urbaines de la capitale. Tirage au sort très compliqué pour les deux représentants de la Lukunga. Le football club Le Croyant de la Division 3 affrontera les 6 mars au Stade Tata Raphaël à Sekouya, club de l'EPFKIN, sérieux prétendant au tour final de cette compétition. Je suis capable avec un renforcement de joueurs de la salle. Je le connais aussi à moi-même. On est toujours positif. Asériel de Kinshasa lui affrontera un peu plus tard, le même 6 mars, à Simboudi de la Division 1 Lukunga. Mboudi qui veut mieux faire que ce qu'ont été ses précédentes participations à ces préliminaires. Donc, je trouve que nous avons la finale de la Coupe du Congo, qui est représentée par Kinshasa Némi. L'année passée, nous étions jusqu'à Salaki. Cette fois-ci, on va retourner vraiment, en tout cas, pour le cap, plus ou moins 3 matchs. 24 heures plus tôt, soit les 5 mars, date du démarrage de ces préliminaires, trois rencontres sont au programme. En ouverture, Amiens, division 2 Malebo, croisera Selma de la 2-2 Lipopo. Le football club Barumbu de la division 1 Kilimani bénéficie d'un tirage favorable puisque son adversaire se nomme le football club Brum, club de la division 3 Lipopo. Et enfin, Saint-Étienne, division 1 Plateau, sera opposé à Téléma Barumbu de la division 1 Malebo. C'est donc parmi ces 10 clubs que sera connu le représentant de la Ligue de football de Kinshasa au prochain tour de la Coupe du Congo de football. Notons par ailleurs que ces matchs seront à élimination directe. De la culture pour terminer, deuxième édition du concours King Startup Academy. Après le succès de la première édition, King Startup Academy ouvre encore ses rideaux en 2019. Ce concours a pour objectif de toucher un bon nombre de jeunes à la culture d'entrepreneuriat et rendre également les culturels et autres couches de la société congolaise autonome, et cela dans leur domaine de prédilection. Aider et promouvoir le jeune talent qui désire s'élancer dans la création d'une start-up dans tous les domaines sans distinction était l'objectif principal de la 10e édition du concours King Startup Academia pour une plus grande promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Exactement comme pour la première édition,
Le concours est essentiellement axé sur la formation de participants et exclusivement basé sur la pratique en incluant l'accompagnement sur les longs termes. Notre vrai souci serait que vous relayiez tout. L'appel à la candidature pour la participation au concours a commencé depuis le 4 février et est prévu pour prendre fin le 11 mars. Nous allons clôturer les inscriptions au 11 mars. Après le 11 mars, nous allons appeler les candidats sélectionnés, nous allons les former à présenter leur projet en une journée dans le cadre d'un atelier, une journée de formation. Et puis on va passer au casting. Le casting va durer 2 jours. Le casting, c'est un jury international qui sera présent. Ils vont donc auditionner les candidats. Chaque candidat aura l'équivalent de 3 minutes environ pour présenter son projet. Kin Startup, le concours est une activité de pré-incubation de l'académie qui est conçue et organisée sous la forme d'une émission télévisée et plusieurs épisodes dans le noble but de toucher un grand nombre de personnes et de faire profiter à tout le jeune Congolais qui ne vivent pas à Kinshasa et qui ont aussi des ambitions d'entreprendre. L'innovation principale de cette deuxième saison, de cette deuxième édition, c'est le forum. Non seulement nous allons avoir beaucoup plus de candidats comparé à l'édition dernière, mais nous apportons le forum qui est une activité à part entière. Kin Startup Academia est une fondation qui s'y donne pour mission de former le plus grand nombre d'entrepreneurs et faire la promotion de jeunes. On va passer au rappel des titres.